Yo les gens, j'espère que vous allez bien les potes. Pour ma part, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch, pour un glitch and don de véhicule. Donc les prérequis pour pouvoir faire ce glitch de don de véhicule, il va nous falloir avoir un bus festival dans un garage. Un bus festival qu'on aurait récupéré en don de véhicule et qu'on a mis dans un garage. Ça ne marchera pas avec un bus festival acheté. Il nous faut avoir un bus festival qu'on a récupéré en don de véhicule. Pour pouvoir faire ce glitch, il va nous falloir avoir un bureau de PDG. Et dans le bureau de PDG, il va nous falloir avoir un sous-sol de fonction et une place vide dans le sous-sol de fonction. Il va nous falloir aussi avoir un complexe. Que le complexe soit plein et que dans le complexe, on y mette un véhicule à perdre comme une Heliger H8 à 0$. Après les poteaux, une fois buggés, on pourra récupérer plusieurs véhicules à la chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre plusieurs Heliger H8 à 0$ dans votre complexe. Donc pour commencer le glitch, on va demander via le mécano le bus festival qu'on a dans un garage, un bus festival qu'on a récupéré en don de véhicule. Une fois qu'on a commandé le bus festival, il va falloir prendre le bus festival et avec rentrer dans le sous-sol de fonction du PDG. Les poteaux, pour faire ce glitch, il vaut mieux privilégier un bus festival qui n'a pas des accessoires sur le toit. Sinon, vous ne pourrez pas rentrer dans le garage de fonction. Donc avec le bus festival, je rentre dans le sous-sol de fonction où j'ai une place vide. Ça va faire un bug, le bus il va rester coincé comme dans le gameplay et au bout de quelques secondes, on va avoir un écran noir sans fin. Une fois sur l'écran noir, là on va avoir besoin d'un ami qui nous aide, l'ami qui va nous donner les véhicules qui est dans la même session que nous. Il va falloir qu'il lance une activité, un passe-temps. Et une fois qu'il a 1 sur 2, il me le dit, je passe par la partie vocale et je le rejoins. Je vais accepter le premier message, rejoindre une nouvelle session. Puis derrière, je vais avoir un deuxième message. La session est privée, j'accepte le message. Je vais réapparaître dans le bus festival. Je vais faire triangle pour descendre du véhicule. Et à partir de là, il va falloir que je me rende à mon complexe. Pour se rendre au complexe, on ne prend pas de véhicule personnel. Soit on se téléporte avec une activité, dans ce cas-là, il faudra se mettre en visée libre avant de commencer le glitch. On lance une activité la plus proche de son complexe, puis on rejoint un ami en visée différente. On accepte le premier message et on refuse le deuxième message. Une fois que j'apparais près de mon complexe, là, il va falloir que je prenne un véhicule de PNJ. De préférence, un véhicule de PNJ qui n'ait pas le toit trop haut, car il va falloir que l'ami retourne le véhicule sur le toit. Une fois que j'ai récupéré un véhicule de PNJ, je vais à mon complexe. L'ami qui m'aide, lui, il m'attend devant mon complexe. Il a commandé son Phantom Wedge, un gros camion, car il va falloir qu'il mette sur le toit le véhicule dans lequel je vais me trouver. Donc si l'ami qui aide il n'a pas de Phantom Wedge, il peut le faire avec le tracteur du centre d'opération mobile. Donc je monte dans le véhicule de PNJ, je fais pavé tactile. Je place bien le véhicule au milieu du rond jaune, puis je fais rond pour retirer le menu du pavé tactile. Et là, j'ai le message, vous devez retirer un véhicule du complexe. Je vais patienter sur ce message le temps que l'ami qui aide me retourne sur le toit avec le véhicule dans lequel je suis. Il faut qu'il me retourne, mais il ne faut pas que je perde le message complexe plein, ok? Une fois qu'il m'a retourné, il me le dit, j'accepte le message complexe plein, puis je fais pavé tactile, suicide. Une fois suicidé, je réapparais sur la map, de là je vais à mon complexe, l'ami qui aide, il va renvoyer le camion. Une fois qu'il a renvoyé le camion, il va commander le véhicule qu'il va me donner. Une fois qu'il a reçu le véhicule, il va prendre le véhicule et il va le placer sur le rond jaune de mon complexe. Si l'ami qui aide a le même complexe que vous, qu'il fasse pavé tactile quand il place le véhicule sur le rond jaune. Donc l'ami qui aide, il place le véhicule sur le rond jaune. Une fois que c'est fait, il descend du véhicule, il s'éloigne du véhicule. Et à partir de là, je n'ai plus qu'à monter dans le véhicule. Avant de monter dans le véhicule, je vais faire pavé tactile. Pavé tactile ouvert, je monte dans le véhicule.
Une fois dans le véhicule, je fais rond pour fermer le menu du pavé tactile et j'ai le message « Vous devez retirer un véhicule, j'accepte le message ». Et ça me fait rentrer avec le véhicule dans mon complexe. Une fois dans le complexe, il va falloir écraser un véhicule, par exemple une Idéguerre H8 à 0$. Donc j'écrase un véhicule et là j'ai bien récupéré mon premier véhicule. Après les poteaux, on peut enchaîner les dons. Du moment qu'on est bugué, il n'y a plus qu'à sortir du complexe, récupérer un véhicule de PNJ, monter dans le véhicule, aller sur le rond jaune et le poteau qui nous retourne avec le camion, ainsi de suite. Une fois qu'on a récupéré les véhicules, les poteaux, il faudra fermer le jeu et relancer le jeu. Donc voilà les poteaux, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera. Je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !